Recevoir des produits Pampers gratuitement chez soi en 2 semaines, c'est maintenant possible grâce à l'application Pampers Club. Comment ça marche? Tu as juste à scanner tes paquets, les codes y sont cachés à l'intérieur. À la suite de ça, tu collectes des points, une couche égale un point, et tu peux enfin les échanger contre des... Hello tout le monde, j'espère que ça va, nous super bien. Je voulais avoir votre avis concernant la contraception. Je sais qu'il y a énormément de filles qui me suivent dans ma communauté. Et en fait, ils me disent que je dois reprendre un moyen de contraception parce que il peut y avoir un retour de couche vu que j'ai arrêté d'allaiter il y a quelques jours maintenant. Et du coup, même si j'ai des problèmes de fertilité, que j'ai eu les trompes bouchées, enfin qu'elles sont toujours un peu bouchées, et que j'ai pas réussi à tomber enceinte pendant 3 ans quand on essayait avec Arthur, ils disent que là, ça peut vraiment venir à tout moment. Du coup, ça me saoule trop, je vous dis la vérité, de reprendre, mais je suis obligée. Donc, dans mon cas, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'il y a des filles comme moi qui sont passées par la FIV? Je disais, est-ce qu'il y a des filles qui sont passées par le parcours FIV qui me suivent, notamment avec un problème de trompe, et qui, du coup, doit reprendre quand même la contraception? Qu'est-ce que vous avez pris? Est-ce que vous avez plutôt privilégié le stérile en cuivre, le stérile hormonal? Est-ce que vous avez préféré la pilule avec estrogène, progestérone? Non, comment on dit? Bref, vous m'avez compris, il y a 2 molécules. Et il y a quoi d'autre? L'implant. Bon, l'implant, je connais, je l'ai déjà eu. Le seul problème, c'est que j'ai un peu moins de libido, je trouve, quand j'ai l'implant. Mais bon, voilà. Dites-moi, vous, ce que vous me conseillez. Si vous me demandez si j'ai un projet de deuxième enfant, là, tout de suite, non. Voilà, dites-vous que ce ne sera pas de suite. Après, on verra de quoi est fait demain. Mais pour le moment, on est trop bien, tous les trois. On trouve notre rythme. Et ce n'est pas d'actualité d'en avoir tout de suite un deuxième.